Je commence dans cette vidéo une série de vidéos sur Gargantua de Rabelais, une œuvre du XVIe siècle. Avant de passer à un résumé plus précis, je vous décris la structure de l'œuvre qui commence par un prologue avant de se dérouler en quatre parties. Il y a d'abord la généalogie, la naissance et l'enfance de Gargantua qui est un géant et qui est le personnage principal. Ensuite, il y a des chapitres, ce sont les chapitres 14 à 24 sur son éducation, sur son instruction. Alors, chapitre contradictoire parce qu'il y a d'abord la mauvaise instruction et puis la bonne instruction. Ensuite, la plus grande partie de l'œuvre s'appelle la guerre Picrocoline. C'est une guerre déclarée par le voisin du père de Gargantua qui s'appelle Picrocole. C'est pour cela que ça s'appelle la guerre Picrocoline. Enfin, dans les tout derniers chapitres, chapitres 52 à 58, on a affaire à la description de la fondation d'une nouvelle abbaye qui va s'appeler l'abbaye de Thélème et qui rassemble un petit peu tous les idéaux de Rabelais. Je commence donc dans cette vidéo par le prologue. Dans ce prologue, l'auteur donne de façon détournée et burlesque, comique, il compare son œuvre en effet à Socrate ou le lecteur à un chien qui casse un os pour en retirer la moelle. Donc il donne au lecteur les clés pour lire son œuvre. D'une apparence comique et déjantée, il n'en faut pas moins tirer des enseignements. Dans le premier chapitre, donc chapitre qui suit, l'auteur nous parle de la généalogie de Gargantua et nous renvoie pour cela au Pantagruel. Pantagruel est le fils de Gargantua et son histoire a été racontée en fait dans un premier tome. C'est donc que Gargantua est en fait une préquelle. Dans ce chapitre 1, il indique comment et où cette généalogie a été découverte et comment lui, Alcofribas Nazier, a été dépêché pour la traduire. Alors Alcofribas Nazier, c'est bien sûr un pseudonyme pour Rabelais, l'auteur. Accompagnant cette généalogie de Gargantua, que l'auteur a donc mis dans le précédent livre, le Pantagruel, un fascicule nommé les Fanfreluches Antidotées est constitué de 112 vers qui font l'objet du chapitre 2. Ce chapitre 2 peut même être laissé de côté, il correspond à l'esthétique de Rabelais qui est assez obscure, parfois confuse, et en tout cas très hétéroclite. Mais les vers en tout cas de ce chapitre 2 en sont trop peu compréhensibles au premier abord. J'ajoute que dans le prologue et le premier chapitre, comme dans la suite de l'œuvre évidemment, Rabelais fait un éloge prononcé du vin et de l'ivresse, aussi bien pour un auteur que pour un lecteur. Dans le chapitre 3, Rabelais parle des parents de Gargantua, Grand Gousier et Gargamel. Leur rencontre, la grossesse de Gargamel qui accouche au 11e mois. Rabelais démontre dans la suite du chapitre que ce genre de grossesse est possible, en citant nombre d'auteurs connus, mais en indiquant bien que cette entourloupe permettait en fait aux veuves de justifier les enfants nés largement après la mort du premier mari. Rabelais est volontiers scabreux tout au long de son œuvre. Dans le chapitre 4, juste avant la naissance de Gargantua, ses parents font la fête en mangeant avec des amis, quantité de tripes qui allaient bientôt se périmer. Le chapitre 5 rapporte les conversations lors de ce banquet, conversations qui font l'éloge du vin. Dans le chapitre 6, on assiste à la naissance de Gargantua. Difficile se fait finalement par l'oreille de Gargamel, sa mère, parce qu'elle a trop mangé de tripes. Rabelais occupe la fin du chapitre à prouver, par de nombreuses citations antiques, que c'est possible, vraiment, de naître par l'oreille de sa mère. Ce chapitre 7, ensuite, présente l'origine du prénom Gargantua, qui viendrait du premier cri que Gargantua a poussé, à boire, et donc son père aurait dit quel grand gosier tu as, d'où Gargantua. La fin du chapitre parle de son rapport au vin, qui est le calme de ses pires colères en tout temps. Le chapitre 8 décrit les vêtements de Gargantua, leur confection, leur prix. L'auteur insiste avec de nombreuses références de poids et de taille sur la grandeur de ses habits et sur leur richesse. Il insiste aussi particulièrement au centre de ce chapitre sur la braguette. Encore un moment scabreux évidemment, bien voulu par Rabelais, c'est sa façon de décrire. Le chapitre 9 sert à donner les symboles des couleurs utilisées pour habiller Gargantua, le bleu et le blanc. La majeure partie du chapitre est occupée par une charge contre les personnes qui font des mauvais rébus en guise de symboles et qui inciteraient les lecteurs à mal interpréter le symbole des habits de Gargantua. Rabelais recherche une symbolique plus haute et plus spirituelle, et tout le chapitre 10 veut démontrer que le symbole du blanc, selon Rabelais, est la joie et la fête. L'auteur cite encore une fois de nombreuses sources, dont la Bible, qui occupe une partie de ce chapitre. Il conclut en disant qu'il ne voulait pas y passer autant de temps, et il donne rapidement en quelques lignes le symbole du bleu. Avec le chapitre 11, Rabelais revient sur la petite enfance de Gargantua, entre 3 et 5 ans. Le début du chapitre est une longue énumération de toutes ses actions. D'abord cohérente pour les actions d'enfant, le récit glisse peu à peu vers la moquerie pour des proverbes, idiots selon Rabelais, comme « il mettait la charrue avant les bœufs », et d'autres proverbes donc qui sont intégrés dans les actions de Gargantua au fur et à mesure des jours.
La fin du chapitre s'arrête à nouveau sur la braguette de Gargantua, dont les servantes prennent un soin particulier. Dans le chapitre 12, l'auteur parle des chevaux de bois nombreux de Gargantua et de la façon dont il se moque d'un seigneur de passage chez son père en lui proposant justement, après être monté dans la chambre la plus haute de la tour, un de ses chevaux de bois. L'auteur nous rapporte en fin de chapitre les jeux de mots qu'il fait et qui sont spirituels. Dans le chapitre 13, Gargantua raconte à son père comment il a essayé de nombreux moyens de se « torcher le cul », c'est l'expression de Rabelais. Il en conclut que la meilleure façon est un oison duveteux. À chaque moyen, il explique les conséquences, il explique les sensations et débriefe à chaque fois devant son père. C'est ce chapitre qui va décider son père, Grand Gousier, à lui donner une instruction parce qu'il le juge intelligent. Et je termine là ma première vidéo qui était donc consacrée à la généalogie, à la naissance et à l'enfance de Gargantua.